Solis Rex de la marque Trudon, senteur des vastes parquets de la galerie des glaces à Versailles, un voyage dans le temps, tout en noblesse, avec cette odeur bien évidemment de cire, mais aussi ces planchers, cette odeur résineuse, assez lourde. Cirier remonte à Truton, notamment Claude Truton, qui en 1643 était devenu propriétaire d'une petite boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, je crois, épicerie, mais aussi boutique de cire. Alors, c'est un bonheur. En vaut la chandelle.
ses bougies. Le rendu olfactif est incroyable. Je ne les connais pas toutes, évidemment. Mais c'est vraiment très très agréable de retrouver cette odeur de vieux parquet ciré. Le verre est fabriqué à Vinci en Italie. La mèche est en de la cire, redressage des mèches, tout cela se transmet de génération en génération. Je vais la laisser brûler pendant que je présenterai les autres bougies. Alors il va y avoir dans le studio ASMR des associations de fragrances qui risque de peut-être s'entrechoquer. Qu'importe. Alors oui, je ne vais pas l'éteindre, tout simplement parce que la cire n'a pas encore totalement fondu. Si l'on regarde à la superficie. Voilà, je ne voudrais pas réduire son temps de le sud de la France, la Provence, la Corse. Voilà.
Celle-ci s'appelle Maki Corse. Très très sucrée. Nous allons l'allumer. La Corse s'invite à Versailles. Ça c'est excellent. Les bougies sont collées une à une à la main. C'est un temps de réalisation relativement long. Même de la cire est aussi choisie, n'est pas choisie par hasard, pardon. On a une cire végétale, comme chez Trudon. 100% végétale et naturelle. Alors on va l'allumer. Exceptionnel. Inspiration métallique, argentée, glacieuse. Et un voyage délibérément orienté vers le sud. C'est comme un voyage entre deux points sur une carte, entre deux ports de navire. D'où partons et où arrivons-nous? Laissons-nous porter par les sons, mais aussi par les fragrances. Personnellement, Maki Corse, c'est pour moi une odeur extrêmement réconfortante parce qu'extrêmement sucrée. De la figue à n'en plus finir. J'aime beaucoup la figue. Maki Corse, Maki Corse, Maki Corse, Maki Corse, Maki Corse, Maki Corse, Maki Corse. On est de l'autre côté de la Méditerranée, une échappée d'essence, un bain de soleil, un bain de réconfort, tout simplement. Et l'on va s'allonger ou s'adosser à un figuier, parce que les figuiers offrent leur fraîcheur et leur ombre, les journées très ensoleillées. Cette bougie de 120 grammes, 30 heures de combustion, ce qui est plutôt bien, et une cire végétale de soja. Et toujours, 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 toujours.
J'y fais. C'est qu'il y a pluie, d'étoiles, de parfumer son intérieur, encore une fois, grâce à une bougie totalement naturelle, au tout parfum de vanille et de citron, mais aussi de lavande. Vanille-citron, c'est un mélange bien singulier.
J'ai personnellement découvert ce séquier en tant que savonnier sur de nombreux savons. C'était un énorme coup de cœur. Je t'en parlerai probablement dans d'autres vidéos. Ce sont des produits que j'utilise commence à fondre. Et pendant que la cire fond et que la mèche crépite, je vais te présenter une dernière bougie. C'est un petit peu plus loin. Là, pour que tu puisses l'entendre. Alors, quand on parle de bougies, il y a d'autres types de bougies, notamment des bougies que l'on reconnaît. Parce que les huiles, les beurres sont voués à fondre et être versés pour être utilisés en massage. Voici la bougie Brunelle de chez Pachamamaï, que j'adore également, dont je vais te parler très prochainement. Solsekia, Pachamamaï, ce sont des artisans que j'admire vraiment pour leur talent, mais dont j'utilise les produits quasiment quotidiennement.
assez simple, contenant alors des beurres très exotiques et rares, on pourrait dire, qui vont permettre à ce beurre de fondre, mais surtout de créer une texture extrêmement glissante pour le massage, réconfortante, et l'odeur de prune est incroyable. J'aurais eu même eu du mal à penser sans le sentir que ça pouvait être aussi réconfortant. D'obtenir des textures extrêmement fondantes, agréables, et possède donc des qualités évidentes, émollientes. Alors, je ne vais pas faire fondre cette bouillie-là, car l'acier est voué à être utilisé en massage, et je n'ai pas l'intention de masser quelqu'un. Ceci dit, on peut peut-être tenter un petit massage des mains, rapide, pour voir si le son est agréable. Cette vidéo en toute relaxation avec des sonorités un petit peu singulières sur le crépitement de la bougie Solsekia, plus d'étoiles comme une étoile filante qui traverse l'éther, notre éther. Deuxième bougie avec une mèche en bois. On y va. Je ne vais pas la faire fondre longtemps, j'imagine. Alors les bougies de massage sont généralement équipées d'un bec verseur pour ne pas se brûler, pour laisser la cire refroidir un petit peu. Laisser fondre le beurre. Voilà, prendre le temps de voir la quantité que l'on veut. Une fois que l'on a fait fondre le beurre nécessaire, on va éteindre la mèche et verser le beurre fondu dans la main. Alors évidemment, si la personne est très sensible à la chaleur, il sera peut-être recommandable de d'abord verser l'huile dans les mains pour la laisser se refroidir un petit peu. Déjà un petit peu de beurre qui a fondu, ce qui va nous permettre de faire un rapide massage des mains. Alors ça ne brûle pas. Ça sent. Émolliente, très certainement, assurément. Un toucher qui n'est pas gras, qui est plutôt soyeux, délicat, porté par une odeur de prune, très douce, pas forcément féminine.
parce que c'est la base.